Rien ne vaut une augmentation, sans oublier de bien taxer tous les revenus financiers. Pour nos salaires, pour nos pensions, solidaire une génération. Et par la lutte, on va gagner un travail mieux rémunéré. Si Macron bossait chaque jour 24 heures, ça nous permet d'être à l'heure. Avant dimanche, les touristes trouvaient Paris très sinistre. Les pauvres étaient obligés de se chier dans des musées. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. C'est ce mec qui n'aime pas les petites gens d'ici-bas. Oui, c'est ce mec qui n'aime pas les petites gens d'ici-bas. Pour gagner l'augmentation des salaires et des pensions. Dans l'action, Macron qui veut nous opposer, nous on dit solidarité. Comment accepter que celles et ceux qui servent l'intérêt général, qui sont au service de toutes et de tous, comme nous le sommes depuis 2 ans à 200%, soient méprisés et paupérisés? Dans le scandale des fraudes fiscales massives des plus riches et publiquement élevées. Il faut remettre dans le débat public, surtout lors de cette séquence électorale qui s'ouvre, les questions de la loi. C'est d'une juste répartition des richesses au bénéfice de toutes et tous, et pas seulement de la finance, du capital, de l'héritage, pour celles et ceux qui sont déjà nés dedans.
grande justice sociale, via des services publics de qualité pour tous et toutes, assurés partout sur les territoires par des personnels correctement et dignement payés. Oui, c'est d'un autre modèle de société dont la France a besoin pour les générations d'aujourd'hui et pour celles de demain. Se battre pour nos salaires, nos travails, nos pensions de retraite, c'est se battre pour un autre modèle de société. Une société plus juste, plus durable, plus démocratique et plus féministe. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Voilà pourquoi nous continuerons demain à nous mobiliser. Bonne journée à toutes et à tous. Merci à vous.